J'ai parlé tout à l'heure du bouquin de Graeber sur la dette. En fait, c'est un bouquin, j'ai 250 bouquins sur la monnaie, la création monétaire. J'en ai jamais eu un qui me bouleverse autant. C'est peut-être mon meilleur bouquin sur la monnaie. Ce bouquin-là, c'est un bouquin sur la dette, sur la monnaie, sur la morale, sur la façon dont on fait société, la façon dont nous autres humains, depuis des milliers d'années, nous savons faire société par des micro-obligations qui s'entrecroisent. Je te prête, tu me rendras un peu plus ou un peu moins, de façon à ce qu'il y ait toujours une petite dette. C'est flou, on ne sait pas combien, et ce n'est pas violent. Il n'y a pas d'obligation à rembourser. Et c'est très important que nous restions endettés tous un peu, les uns par rapport aux autres, pour faire société, pour ne pas nous entretuer. Les commerçants, les marchands, eux, ils disent il y a débit, il y a crédit et il y a violence pour rembourser. Et quand on a remboursé, il n'y a plus aucune relation entre nous. Les primitifs, les sauvages soi-disant, savaient qu'il ne fallait pas réduire nos relations à une dette débit-crédit et qu'il est très important de rester endetté. C'est remarquable. Je ne peux pas développer. À chaque double page, il y a un bouleversement qui te montre que les économistes sont une pensée prostituée aux banques qui nous dégrade au rang avilissant de machines à calculer son profit, alors qu'on est bien plus que ça, évidemment. Nous ne sommes pas les stupides consommateurs que voient en nous les économistes. Les économistes nous donnent une vision dégradée de l'humanité qui ne correspond pas à la réalité. Cet anthropologue est lumineux par rapport à la pensée économique. La pensée anthropologique, avec l'étude de nos sociétés, c'est bouleversant. C'est un bouquin, un immense bouquin. Il y a un autre bouquin remarquable, du même tonneau, presque aussi bouleversant, qui s'appelle « Contre-histoire du libéralisme ». J'en ai quelques-unes, « Contre-histoire du libéralisme ». Celle-là est particulièrement salée et bouleversante. Lo Sordo, un Italien, montre que tous les penseurs libéraux, tous, en commençant par Locke, Grotius, Washington, Hamilton, tous les pères fondateurs, les 12 des 16 premiers présidents américains, tous étaient esclavagistes et génocidaires. Locke, qui a écrit des passages enflammés, merveilleux sur la liberté, la résistance à l'oppression, à la tyrannie, au despotisme, des passages superbes sur la liberté absolue, était esclavagiste et a écrit pour la Caroline une constitution esclavagiste dans laquelle chaque homme libre a ses esclaves qui sont ses choses et avec tous les détails nécessaires. Locke, John Locke. Et ce que fait Lo Sordo, c'est qu'il prend tous les penseurs, il dit, voyons, alors lui, il est libéral ou il n'est pas libéral? Il est esclavagiste et génocidaire. Et lui, alors bon, pas lui, bon, ok, alors, pas Locke, alors on va prendre Grotius, on va prendre Franklin, on va prendre... Et il les prend tous. Alors tu prends leurs citations et tu t'aperçois qu'en fait, quand les marchands se sont libérés des rois, ils avaient les rois sur le dos, ils avaient la religion sur le dos, qui se méfiaient des marchands, depuis Jésus qui avait chassé les marchands du temple. Hein. J'avais pas intégré ce truc-là, moi c'était une superstition à la con. Mais ce truc est resté pendant des siècles, les marchands étaient tenus à l'écart des marchés. Le roi, la police du roi, tenait les marchands à l'écart des marchés. Donc il y avait les gens qui produisaient du blé, puis les boulangers qui avaient besoin de blé pour faire le pain, pour nourrir les gens. La police était là, les gens armés, les gens du roi étaient là pour empêcher les marchands de venir sur les marchés pour que les humains puissent se fournir, ils appelaient ça les subsistants, se fournir en biens permettant de survivre. Et une fois que tout le monde était satisfait, pour le surplus, on laissait les marchands qui n'étaient pas datés, pas n'importe qui, hein, les marchands ils étaient notés sur des registres et s'ils déconnaient, ils étaient punis. Hein, on les surveillait. On surveillait les marchands. Dans l'ancien régime, les marchands étaient surveillés. Et quand les marchands se sont émancipés des religions et des princes, les premiers c'était les Hollandais qui se sont émancipés de Philippe II d'Espagne, aussitôt les marchands sont devenus
libérer comme la boîte de Pandore, tu vois, libérer comme enfin l'ubris, la démesure qui a rendu possible, parce qu'il n'y a plus la tenaille de la religion et d'un pouvoir supérieur absolu. Les marchands sont devenus libéraux, c'est-à-dire esclavagistes raciaux. L'esclavagisme, c'est une vieille histoire hein, dans l'histoire des hommes, mais l'esclavagiste racial, c'est nouveau. C'est l'esclavagiste dont tu ne sors pas, comme le salariat, un truc, t'as été condamné et tes enfants le seront. Esclavagisme racial et génocide. En Afrique pour les Hollandais, et puis quand ils sont devenus rois d'Angleterre, ça a été l'Irlande qui a fait l'objet de génocide et d'esclavagisme, avec des méthodes épouvantables, les libéraux là, des sous-hommes, des bêtes considérées comme des bêtes dangereuses, les Irlandais. Et puis quand ils sont partis ensuite aux États-Unis, à nouveau esclavagistes, à nouveau génocidaires, les peaux rouges ont suivi le même traitement que les Irlandais. Et tous ces gens, ces penseurs, sont les références de nos libéraux. Et donc je travaille beaucoup sur l'esclavagisme et le racisme, qui sont un fléau, une plaie. On me fait le reproche de dire le racisme est secondaire par rapport à la domination des banques. Et je maintiens. Et pourtant, je fais du racisme un des points focaux de mon point focaux, comment on dit, un des points focaux de un des points de fixation de mon travail. Je travaille beaucoup sur le racisme. Mais le vrai racisme, le racisme dominant, le racisme qui considère l'autre comme un sous-homme qu'on peut exploiter, exterminer, tenir en esclavage, c'est ça le racisme. Si j'ai besoin du mot raciste pour désigner quelque chose de fort et extrêmement dangereux pour les corps sociaux, pour l'humanité. Je viens de recevoir un bouquin lui, je l'ai commencé à peine, mais je vais signaler le travail de Rediker, Marcus Rediker, qui a beaucoup bossé sur les marins, et donc l'exploitation, l'esclavage dans la marine, hein, l'épouvantable, la condition. En fait, les marins ont été, pour Rediker, comme un laboratoire de l'esclavagisme, ensuite sur Terre, des salariés. Les marins ont été, et les soldats, ont été l'objet de conditions inhumaines de traitement. Et là, ils bossent sur les négriers, sur les bateaux transportant les esclaves. Je travaille aussi, je ne l'ai pas pris, parce qu'en voyage, c'est lourd, tous ces gros bouquins, mais il y a un très très bon bouquin de Rebrouck, le Belge, qui vient d'écrire un petit bouquin contre les élections, et qui défend l'idée du tirage au sort. Et ce gars-là avait écrit un bouquin sur le Congo. Il faudra l'incruster dans la vidéo, retrouver la couverture, mais le bouquin qui s'appelle Congo, magnifiquement écrit, et l'histoire du Congo, c'est l'histoire du malheur des hommes, du malheur des Africains, je veux dire, quand c'est pas une exploitation, c'est l'autre, c'est d'abord Léopold, ce salopard, et puis ensuite c'est l'État, et ensuite c'est les multinationales. Et... Là, on a affaire au racisme qui mérite d'être appelé comme ça, et comme le danger, et oui, là, ça c'est vraiment une barbarie absolue, totalement liée au libéralisme, hein, aux marchands et à l'émancipation des marchands par rapport aux princes et à la religion. Alors je ne suis pas pour le rétablissement de la monarchie absolue et de la religion, hein, je suis athée, une vraie démocratie qui mettrait en place un pouvoir supérieur aux marchands sous notre contrôle pour que ça ne devienne pas un Big Brother, c'est une troisième voie qui n'a jamais été essayée dans l'histoire des hommes, hein, à Athènes un peu, mais avec tellement d'imperfections que... Si nous écrivions nous-mêmes nos institutions, on aurait sûrement le moyen de recréer cette digue contre les marchands qui nous rend notre humanité. Parce que ce que montre Grébert, c'est que l'idéologie marchande, avec cette histoire de débit, crédit et violence pour rembourser la dette, et une fois que la dette est remboursée, il n'y a plus rien entre nous. On peut s'entretuer, nous n'existons plus l'un par rapport à l'autre. Cette idéologie marchande, cet imaginaire marchand, nous empêche littéralement de faire société, détruit en nous ce que des milliers de générations avaient su tisser en interdépendance dans les obligations floues et non violentes. Tu vois, l'obligation n'était pas violente et à terme... non, vraiment, les marchands nous... D'une certaine façon... indépendamment de leur volonté, hein. Ce n'est pas un complot, c'est le type de monnaie que nous utilisons qui conduit à ça. Nous avons un type de monnaie qui est privé,
payant, donc coûteux, rare, on en manque, qui perd pas de sa valeur, donc qui nous incite à en faire des tas. Et en faisant des tas, on en prive ceux qui en ont besoin. Comme on en prive ceux qui en ont besoin, cette rareté crée un appétit à ces signes monétaires qui crée toutes sortes de cruautés et d'injustices. Le type de monnaie que nous utilisons, et qui n'est pas du tout le seul possible, hein, si on imaginait une monnaie fondante, on se débarrasserait de toutes sortes de cupidités et de cruautés afférentes, hein, et de méchanceté, d'inhumanité liées à la peur de manquer. Le type de monnaie que nous utilisons aujourd'hui n'est pas le seul possible, et il nous conduit à la cupidité, la cruauté et l'inhumanité. C'est encore un problème technique qui n'est pas, je crois, pas compliqué à régler. Lire les bouquins de Derrida ou de Holbeck sur la monnaie, il y a plein d'alternatives sur le plan de la monnaie. Notre problème, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème politique. C'est que pour l'instant, ce sont les marchands d'argent, donc les banques, qui maîtrisent l'action politique. C'est une folie. Ça va mal finir.